Bonjour mes amis cancers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez très très bien. Vous savez que c'est mon ascendant, donc je dis. Donc vous allez aller sur mes liens qui sont, vous faites plus sous les vidéos. Et vous allez trouver mon adresse mail pour essayer de me joindre. Vous avez mon numéro de téléphone que par texto je ne réponds pas aux appels, d'accord? Voilà, et puis vous avez sur ma bannière le clic Facebook pour venir rejoindre son badge Sophia Facebook, où j'exprime énormément de choses, surtout par rapport à la planète, par rapport à tout ce qui se passe. Et vous avez aussi la cloche pour vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, je vous remercie tous. Alors, j'ai commencé à faire un pré-tirage pour vous, mes amis cancers. On me dit que vous allez recevoir des signes de l'univers qui vont vous rappeler votre leur présence. On me dit que vous avez une double mission de vie. On me dit qu'il va falloir canaliser vos énergies par rapport aux signes qu'on va vous envoyer. On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ah, c'était un premier prémisse. Donc, je l'ai fait avec l'archange de la Lune, l'oracle de la Lune, l'oracle des prières et l'oracle des artisans de lumière. Après, on me dit, alors là, c'est magnifique, hein, sautez le pas, avancez. Peut-être que pour certains scorpions, vous vous êtes effondré à un moment donné, vous avez été en mode survie. Et là, on me dit que vous remontez d'une force la plus puissante qui puisse exister, parce qu'on me parle d'une naissance, d'une nouvelle ère qui arrive pour vous. Pour mes amis cancer, on me dit une renaissance avec de nouvelles créations. Vous allez sur une transformation, sur un nouveau monde. Et on me dit, attendez-vous à un changement considérable, mes amis cancer. On me dit peut-être qu'il y avait encore de l'obscur autour de vous, mais là, la lumière va percer. C'est pour ça que ce changement va arriver durant ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit qu'à partir du 15 juillet, pas avant. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de carte qui dit ça, mais moi je dis ça. Vous me connaissez. Hein. Alors, on me dit que vous avez besoin de synchronicité, vous avez besoin de reprendre votre équilibre, vous avez besoin de reprendre votre yin et votre yang afin de recevoir les signes. On me dit que vous allez recevoir aussi des bons conseils de la Sainte Mère. On me dit que vous êtes quelqu'un de très maternel aussi, mais on me dit aussi que peut-être que vous avez besoin de retrouver votre équilibre par rapport aussi à votre mère aussi. On me dit que peut-être que par rapport à votre propre mère ou par rapport à vous-même en tant que maman, d'accord, il va falloir agir sur énormément de choses. Peut-être qu'il y a des choses où vous allez devoir faire face par rapport à vos propres enfants. Allez, on va passer sur Béline. Allez, on y va sur Béline pour nos amis cancer pour le mois de juillet. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour nos amis cancer, pour le mois de juillet. Vous allez reprendre votre envol, hein, votre grâce, malgré un accident qui a pu se passer dans votre vie. Vous avez enfin retrouvé la paix. Vous partez sur un nouveau départ. Mais, ah, ok, je vous explique. Partez sur un nouvel... Excusez-moi. Portez sur un nouvel envol, malgré un accident qui a pu se passer dans votre vie, vous avez enfin retrouvé la paix, vous partez sur un nouveau départ, car vous n'en pouvez plus, parce que tout s'est écroulé autour de vous, parce que ça a vraiment été la ruine. On n'a pas tout le monde, hein. D'habitude, hein, d'accord? C'est un tirage général, hein. Après cette ruine, il y a un énorme changement qui arrive pour vous, mes amis cancers. Un changement amoureux qui arrive. Ok, d'accord. On parle pour mes amis cancer, un changement amoureux qui arrive. Ou c'est quelqu'un par rapport au travail, une rencontre par rapport à votre travail. Ou alors c'est une réparation, un changement d'une réparation amoureuse. On verra ça au fur et à mesure. Hein, d'accord? On me dit que pour moi, ce n'est pas une réparation. Je ne sais pas. On parle d'une femme. Si c'est une réparation, si quelqu'un ou vous-même, vous voulez avoir une réparation avec quelqu'un avec qui vous étiez amoureux ou amoureuse, on me dit peut-être que vous avez invité cette personne ou cette personne que vous invitez, on me dit qu'il va y avoir énormément de communication.
Pour d'autres, on me dit qu'il y a un changement amoureux qui arrive au sein d'un travail. D'accord? On parle quand même qu'il y aura une invitation et on me dit qu'il y aura énormément de communication. Je continue. Ok, pour certains ou certaines, on me dit que vous bataillez par rapport à un procès. Vous bataillez contre quelque chose qui est complètement bloqué actuellement. Ok. On me dit que vous vous enfoncez. Excusez-moi. On me dit que vous vous enfoncez. C'est le mot qui est mis dans ma tête. Mais on me dit surtout que vous vous cloîtrez, vous vous enfermez sur vous-même. D'accord? Oui, parce qu'on me dit que vous vous entêtez sur quelque chose. On me dit que c'est très impulsif, là, mes amis cancer, durant ce mois de juillet. Vous allez vite vous emballer, vous entêter, parce que vous êtes très passionnel aussi. Et on me dit, par contre, ça va piquer. Hein. Alors, peut-être que ce procès, c'est un combat, ou c'est un procès, ou c'est un combat. Vous allez combattre contre quelqu'un. Pour l'instant, ça prend du retard, tout est bloqué, d'accord? Mais on me dit, vous allez vous entêter dans cette bagarre. Ok. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. On me dit que vous êtes assez intelligent ou intelligente. On me dit que vous voulez que l'amour émerge. Vous voulez que l'amour grandisse. On me dit par contre, c'est un truc de fou quand même. Je suis désolée. On me dit que vous êtes intelligent, mais on me dit qu'il y a énormément de méchanceté par rapport à votre famille. Je viens de faire les scorpions juste avant. Sincèrement, ça correspond. Hein. On parle d'énormément de méchanceté. Alors, peut-être le combat, le procès, peut-être que c'est familial. Hein, d'accord. On me dit que vous te donnez la clé pour tout résoudre. On me dit que vous n'avez pas vous laisser faire. On me dit que ce n'est pas une fatalité pour vous. Et la fausse chose ne passera pas. On ne vous mettra pas les choses à l'envers. C'est ce qu'on me dit. Au sein d'une maison ou par rapport à une maison. On me dit que vous êtes en pleine sagesse. Vous avez ouvert les yeux énormément par rapport à plein de choses. On me dit que vous êtes appuyé par rapport à tout cela. On me dit que le hasard va faire que quelqu'un va vous soutenir, quelqu'un à qui vous pensez, un ami ou une amie, par rapport à tout cela. Mais on me dit que tout ça va vous mettre dans l'inconstance totale. Mais vous allez continuer à vous battre par rapport à un héritage. Ok. Je dirai rien. Où il y a pas mal d'ennemis par rapport à cet héritage. Vous allez devoir sortir la tête sous l'eau et partir de quelque chose afin de larguer les amarres quand c'est un grand oui. Les trois cartes, je ne les prends pas. Si je les prends, si on me dit que là vous êtes dans la fortune, il faut partir sur quelque chose d'autre afin de retrouver votre propre plaisir, partir sur une renaissance pour vous par rapport à tout cela. Vous avez besoin de retrouver votre santé, même votre santé financière par rapport à votre propre maison, peut-être qu'il se trouve à la campagne. Alors, peut-être que ce procès, c'est ce procès ou cette méchanceté familiale par rapport à cet héritage se tient par rapport à une maison qui est à la campagne. On me dit qu'il y a énormément de discussions, énormément de trafic par rapport à tout cela. Mais on me dit, vous inquiétez pas, vous allez retrouver le bonheur. Je sais pas pourquoi ma vidéo a bug. Enfin, je la trouve qu'elle bouge. Faites attention à vous. Peut-être que quelqu'un a voulu vous faire perdre quelque chose ou vous voulez par rapport à tout ça, mais vous partez sur une belle élévation, une belle évolution. Parce que nous avons le bonheur juste avant. Peut-être que quelqu'un vraiment a voulu vous la faire à l'envers. Est-ce qu'il vous a rendu carrément malade? Non. Non. Ça vous a rendu malade, mais pas carrément malade, d'accord? Ça vous a impacté, d'accord? Vous avez dû réfléchir par rapport à pas mal de choses, ok? Mais non, ça ne vous a pas rendu réellement malade. Peut-être que vous avez eu le répondant nécessaire
au niveau de la famille, afin que cette roue qui était bloquée se remette en marche. Ok? Parce que tout stagnait. Parce que peut-être que vous n'aviez pas les réponses adéquates aussi. On dit que vous allez partir sur la découverte de quelque chose. Mais pour l'instant, c'est stérile. Peut-être pour l'instant, vous n'avez aucune réponse sur rien. Peut-être que tout ça s'est passé un 11 mai. Qui est passé? Ou peut-être que ça se passera le 14 novembre. Attention, il y a une trahison. On va vous faire une trahison. Méfiez-vous de quelqu'un. Vous allez apprendre que quelqu'un est en train de vous trahir. Mais vous partez sur une nouvelle page. Vous lâchez tout derrière vous. Tout ce bazar, vous n'en voulez plus. Vous voulez que les choses soient claires, nettes et précises. Par rapport à une union. Donc, l'union, c'est aussi la famille, c'est le rationnel, d'accord? Vous partez en tout cas sur une belle union. Vous partez sur une renaissance d'une union. On parle de réussite par rapport à cette union. On parle vraiment d'une rencontre pour vous, mes amis cancers, durant ce mois de juillet. On me dit que pour l'instant, vous étiez pieds et poings liés sur une situation. Et on me dit que vous êtes tellement renommé. C'est là vraiment la réussite. La couronne de laurier, allez bien. Il y a bien une rencontre qui se fait durant ce mois de juillet, mes amis cancers. Ça. C'est pas parce que je suis ascendant cancer et je suis scorpion, mais sincèrement, ça ressemble beaucoup. Ça me gêne. J'aime pas les ressemblances. C'est pour ça, en plus, j'ai pris d'autres oracles pour pas influencer, mais ça ressort quand même. Alors, on va prendre la triade que j'avais appris tout à l'heure. Je vous dis, je fais tout l'opposé exprès. Allez, pour mes amis cancers, pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Un homme. Ok, donc homme cancer. Ou pour les femmes cancer, un homme. Ou vous n'êtes plus tenté du tout. Donc vous les hommes, peut-être que vous n'êtes plus tenté du tout à mordre une pomme empoisonnée. Vous êtes protégé, vous avez été dans le déni pendant pas mal de choses, pendant pas mal de temps. Mais vous ne voulez plus du tout une réconciliation. On me dit que vous avez fait énormément de sacrifices par rapport à cette personne qui vous a rendu malheureux ou malheureuse. On me dit que vous avez baissé votre masque et vous voulez juste un nouveau commencement dans votre vie. Et on me dit que vous allez reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a un changement, une transformation, une mutation pour certains aussi, pour un nouveau commencement. Ces deux cartes associées sont magnifiques. Parce que là, avec les sacrifices et le malheur que j'avais vu, c'est très bien que ces deux cartes sortent à la suite. Hein. On part d'une progression. On me dit que votre âme, elle est brillante. Vous voyez le soleil. On me dit que vous êtes en pleine sagesse. Vous allez revoir la lumière par rapport aux racines, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui est ancestral, par rapport à la famille. Vous allez énormément réfléchir par rapport à tout cela. Pourquoi on parle de famille ce mois-ci, au mois de juillet? On me dit qu'il va y avoir énormément d'échanges, énormément d'écrits. Et c'est la fin de quelque chose qui se termine. La fin d'un cycle, d'accord? C'est terminé, on boucle un cycle, on se tait, le sujet est clos, on passe sur autre chose. Une porte va faire boum, une porte va exploser. Donc, c'est comme si ça va être une bombe qui va exploser avec toutes les vérités. Au moins, tout sera fluide, tout sera cohérent. Il n'y aura plus d'illusion, ni d'une part, ni de l'autre. Ni de votre part, ni de l'autre. C'est une nécessité. Le but de faire des illusions sur des choses. Vous avez énormément prié pour tout cela. Ou vous allez énormément prier pour tout cela. Okay. On dit que la foudre ou le coup de foudre, on va voir ce qui suit. Non. Il y a quelqu'un qui vous a fait très très mal, là, qui vous a mis un poignard dans le dos. Mais vraiment. C'est pas le coup de foudre sentimental, hein.
c'est vraiment quelqu'un vous a fait très mal et vous a planté. Ça a été rapide, ça a été violent, ce coup de poignard dans le dos ou face à face par rapport au financier, par rapport à quelque chose de financier. Peut-être aussi par rapport à votre richesse intérieure. On me dit qu'on vous a beaucoup menti, ou les autres vous ont menti, ou les choses n'étaient pas claires. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses n'étaient pas claires. Donc, personne ne comprenait réellement la vraie vérité qui devait se savoir. OK? On me dit qu'il y a un pardon qui va vous arriver suite à ces mensonges. On me dit qu'il va y avoir un temps d'arrêt sur des communications, ça sera le grand désert. On me dit que vous allez continuer à reprendre et votre énergie et être en boucle dans votre tête, hein, mes amis cancers, parce que vous êtes quand même toujours en boucle dans votre tête, hein, d'accord? On me dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez une en même, vous avez énormément réfléchi, vous avez posé le pour, le contre, vous avez, je sais pas, pris des dictionnaires et sur Internet, enfin. Vous avez vraiment réfléchi à fond, à fond, à fond. Hein. D'accord? Vous avez vraiment ouvert les yeux. Regardez ce qu'on voit là, avec les yeux. Hein. On réfléchit, les connaissances, énormément. Et là, la main, on a toutes les connaissances à l'intérieur de notre paume de main. On sait où on va. On a tout. C'est l'initiation. On a tout compris. En vrai, on a tout compris. OK? Par rapport à une alliance, par rapport à une fusion, par rapport à un mariage, par rapport à. Un lien très très fort surtout. Et là, vous avez dû faire un choix à un moment donné qui vous a mis dans la pénitence. Peut-être que certainement, ce choix, vous ne l'avez pas fait parce que tout simplement, vous avez ouvert les yeux. On a quand même 3 fois les yeux. Vous avez carrément ouvert les yeux et vous n'avez pas de choix à faire à part que vous vous retrouvez dans la pénitence parce que tout le monde se met contre vous. Eh oui. Alors, on a encore le choix quand même. On vous a mis sur le banc de touche. Un ennemi vous a mis sur le banc de touche. C'est pour ça que vous n'avez pas de choix à faire. Un ennemi vous a mis sur le banc de touche. Vous avez dû sortir de tout cela afin de. Comment je peux dire? Vous avez dû sortir de tout cela afin de vous abandonner un seul. À votre propre destin et surtout partir d'une situation qui ne vous correspondait plus, où vous n'étiez plus maître de la situation, parce qu'on vous a tellement mis sur un banc de touche que vous avez dû partir ou sortir de cette situation. Peut-être que vous êtes sorti de cette situation en disant vraiment les mots forts. On parle d'une femme, ça peut être un homme, hein. Très bien, une femme qui a été à l'écoute, une femme qui est très cérébrale, une femme qui est très dirigeante aussi. Et on me dit que cette femme, ou cet homme, hein, d'accord, veut une renaissance. On me dit qu'il y a une renaissance pour mes amis cancer, en tout cas. Une renaissance par rapport à un partenaire qui va arriver vers elle, alors que cette personne, homme ou femme, hein, on parle d'une femme, on ne peut pas dire un homme, d'accord? On me dit qu'il y a une renaissance pour un homme ou une femme. Cancer sera plus simple par rapport à un partenaire où vous êtes cloîtré dans une situation et peut-être que ce partenaire va venir vous sortir de votre cage dorée. Continue, on va voir. Un partenaire où vous allez avoir confiance en lui ou en elle, mais on me dit que vous allez tourner en rond et vous n'êtes tellement pas bien dans votre peau, mes amis cancer. Que la petite lumière là, vous allez avoir du mal à la voir à l'heure actuelle parce que vous êtes juste en train d'émerger de votre cage. Vous êtes juste en train de sortir votre cage. Comment voulez-vous voir cette petite lueur là d'espoir? Vous avez encore du mal durant ce mois de juillet. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous êtes archi protégé. D'accord? Vous partez sur une élévation. Peut-être que vous avez fait des erreurs durant le passé. Mais les autres aussi ont fait des erreurs envers vous-même. C'est pour ça que là, l'élévation, elle est fatale pour vous. Elle est obligatoire parce que vous, vous voulez une fin à toutes ces erreurs. Vous voulez avancer, évoluer. Vous n'avez plus stagné dans toutes ces erreurs du passé où il y a des personnes qui ont porté un nez rouge, un nez de clown, quelqu'un ou plusieurs personnes
D'accord? Se sont cachés derrière des vraies vérités. Et peut-être que vous avez enfin délivré ces vérités. Afin de reprendre un équilibre au niveau de votre santé aussi. Ça vous a fait énormément de bien. Et de vous débarrasser de tout ce que vous avez porté. Ça a été un long, long, long périple pour vous. D'accord? Énormément d'épreuves vous avez franchi en vous taisant peut-être certains ou certaines. Mais là, vous avez été à un moment donné en plein doute. Vous allez être en plein doute. Vous allez vous poser énormément de questions. Peut-être pour vous sortir de cela. Mais on me dit, ça ne sert à rien de vous poser des questions. La situation, elle est morte. Plus de questions à se poser. La situation, elle est morte. C'est fini. C'est hop, stop. On va s'arrêter là-dessus. On va partir sur notre oracle. C'est mieux. 20 minutes. Là. Allez, on va aller chercher Béline. L'oracle G. Excusez-moi. Que j'ai pas pris tout à l'heure parce que je veux pas. Je veux pas que ça se recoupe. Allez, on y va pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Pour juillet 2021. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît, juillet 2021. On me dit qu'il y a le bonheur qui arrive pour vous. Ok, on me dit qu'il y a le bonheur qui arrive pour vous. On me dit que professionnellement, il y a une amie ou un ami qui va venir vous aider. On me dit que c'est le bonheur aussi pour vous par rapport à une réparation amicale. Peut-être que vous étiez fâché avec un ami. Et ça vous a impacté, ça vous a fait très très mal. On me dit aussi, peut-être que c'est le bonheur qui va être établi professionnellement. Une amie va vous aider ou un ami à rentrer dans une profession médicale. Médical, paramédical, etc., etc. On me dit que vous allez avoir le choix de faire cela. On me dit que c'est une personne âgée qui va vous aider. Et qui va vous élever, surtout. À vous écouter aussi. Bon, attendez. Ok. Là, on est dans la spiritualité, on est sur le sentimental. Enfin, bref, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si on parle que de... Vous avez écouté, là. Si on parle de professionnel, on me dit qu'il y a un grand bonheur qui arrive pour vous. Professionnellement, un ami va venir vous aider par rapport au médical ou paramédical, d'accord? Cet homme, c'est un homme, hein, il est plus âgé que vous. Homme ou femme, hein, en tout cas, cet homme est plus âgé que vous. On me dit que vous allez devoir faire un choix. Cet homme va vous porter à bout de bras pour vous élever. Il va falloir l'écouter. Ouais, il va falloir l'écouter. Et il va vous dire surtout, enlevez votre masque, mes amis cancer, afin que tout soit harmonieux et arrêtez de vous rendre malade pour rien. Ok. Peut-être que cet homme un peu plus âgé que vous va vous dire, arrêtez de vous rendre malade par rapport à une femme. Donc là, je vois deux femmes. D'accord? Peut-être que cet homme va vous dire arrête d'être malade pour ta mère, pour ta fille, pour ta soeur, pour ta tante, etc. D'accord? Parce que c'est une vipère, tu la changeras jamais. Ça parle ou pas, hein? Parce que de toute façon, elle et toi, c'est mort. C'est ce monsieur qui vous dit ça. D'accord? C'est une vipère, cette personne. On me dit que vous allez devoir vous déplacer, faire un déplacement, partir en vacances, vous allez reprendre votre force. Mais tout ça prendra du temps pour ce déplacement et reprendre votre force. On me dit pourtant que vous allez partir. Hein. Pour certains ou certaines, vous allez partir en vacances. Hein. On me parle d'une femme ou d'un homme de plus de 50 ans, vous allez partir en vacances, ça serait une renaissance pour vous. Je pense que certains cancers ont besoin de vacances. Hein. D'accord? Voilà, ils ont besoin de vacances afin d'ouvrir une nouvelle page de leur vie. Hein. Ils ont vraiment besoin de vacances, hein, mes amis cancers. On me dit que vous allez arrêter de douter parce que peut-être que vous n'avez pas assez d'économies de côté pour pouvoir bouger, mais vous allez bouger parce qu'on va vous faire bouger, d'accord? Une personne va venir à votre foyer, plus jeune que vous, homme ou femme, ou alors cette personne va venir avec un enfant ou ils vont venir à deux. Mais en tout cas, ils vont vous faire bouger de votre foyer parce qu'ils en ont marre que vous soyez seul et dans l'isolement le plus total par rapport à des choses que vous essayez de régler en permanence, mais ils vont vous sortir de votre isolement afin que vous puissiez reprendre un équilibre. Ça peut être aussi vos enfants, parce qu'on a la filiation, enfin le sexe.
Ça peut être aussi vos enfants qui vont sortir de votre foyer, vous dire, allez, tu viens maman ou tu viens papa, c'est bon, on se barre en vacances, t'as besoin de respirer, d'accord? Ça peut être aussi un homme qui va rentrer au sein de votre foyer et il va vous sortir de votre maison, peut-être aussi parce qu'il a des intérêts sexuels envers vous. Quand je parle d'un homme, ça peut être une femme, hein, d'accord? On dit qu'en tout cas, avec cette personne, il n'y aura pas de querelle. On dit que cette personne sera très généreuse envers vous. Cette personne vous apportera énormément d'équilibre. Cette personne vous apportera énormément de communication. Cette personne vous protégera contre la jalousie et la malfaisance. On dit qu'il n'y aura pas, cette personne n'aura pas de secret caché pour vous. On dit qu'il y aura une renaissance pour vous sentimentale. Vous allez enfin retrouver la paix. Alors que c'était vraiment le plus grand désert. On me dit que vous allez prendre le temps de repos et le temps peut-être de mettre de l'argent à l'abri. Cet été, donc on y est, vous êtes protégés pour ceux ou celles qui vont avoir de l'argent. Cet été, vous êtes à l'abri par rapport à cet argent, ne vous inquiétez pas, c'est certain. Peut-être que si vous gagnez X trucs, ben vous ne dites rien à personne, d'accord? On me dit que vous gardez espoir de prendre la route et que la route s'ouvre pour vous par rapport à des documents administratifs qui vont arriver pour vous. On me dit que le soleil va arriver pour vous, ça sera une grande abondance. Ça sera un jeu du hasard. Ok, ben, j'avais dit je ne sais plus quel mois. Ben, mes amis cancer, j'avais dit pour je ne sais plus quel signe. Enfin, bref. Là, mes amis cancer, ben, écoutez, jouez à des trucs à gratter parce qu'on parle quand même d'argent et du hasard. Hein. Donc ça, c'est le jeu du hasard. Et on me dit que vous allez faire la fête. Hein. C'est quoi, vous me direz, hein? Donc des archis protégés. On me dit que cet hiver. Une femme, ça peut être un homme. C'est une renaissance. En tout cas, homme-femme, cancer, c'est une renaissance pour vous. La renaissance se fera à l'automne déjà. Donc comme j'ai l'hiver, dans 6 mois c'est la renaissance, dans 6 mois vous signez un nouveau contrat. Gardez espoir par rapport à ce contrat, peut-être que vous avez peur de perdre. Dans 9 mois, wow. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et voilà, la carte c'est 3, c'est mars. Ok? En mars. On va vous aider, une poignée de main qui est là, qui est bien scellée par rapport à un contrat. En mars l'année prochaine, il y a des choses qui changent. Pour un jeune homme ou une jeune fille, ou ça peut être vous aussi, même si vous avez plus de 50 ans, tout simplement parce que peut-être que vous êtes assez gamin ou gamine dans votre tête. En tout cas, vous allez avoir de l'aide afin de pouvoir casser, trancher par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Il faudra 9 mois pour trancher cette situation. Pas avant mars 2022. Je suis désolée. Allez, on va aller sur l'amour. On va aller sur l'amour. Je vais prendre l'oracle du grand amour. Allez, on y va. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Libérez-vous d'un boulet. Libérez-vous de quelque chose afin de reprendre votre équilibre. Mes amis cancer pour le mois de juillet, s'il vous plaît. On me dit que là, vous êtes dans la fragilité. Pas depuis pas mal de temps. 2 ans, peut-être. On parle des amis cancer qui sont dans la fragilité, peut-être depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ou peut-être il y a 14 mois. 14 à 22 mois. On me dit que maintenant, vous voulez que les choses soient souples, soient fluides. Vous voulez danser sur les événements. Donc, vous n'avez plus de questions à vous poser. Parce que ce que vous voulez, c'est retrouver le grand bonheur. Afin de terminer un cycle, 5 et 4, 9. Afin d'aller sur autre chose. On dit de toute façon, ne vous inquiétez pas. La chance est là pour vous, pour retrouver ce grand bonheur. On me dit qu'il y a une rencontre qui va se faire pour vous, mes amis cancer. Mais il faut encore du temps. Ça ne sera pas au mois de juillet. On me dit que vous êtes très dans la générosité, mais on me dit que vous avez envie d'un nouveau départ, amoureux. Alors peut-être que c'est vous, peut-être
Peut-être que vous êtes rencontré cette personne au mois de juillet. Peut-être que c'est vous qui avez mis du temps à concrétiser des choses parce que vous aurez peur de quelque chose. D'accord? On me dit en tout cas que vous allez vous montrer généreux ou généreuse. On me dit que vous avez énormément d'espoir sur cette relation qui va arriver. Vous aurez énormément d'espoir. On n'en est que deux, donc je... Mais on me dit parce que vous ne voulez plus de crise dans votre vie. Vous gardez espoir parce que vous ne voulez pas que ça se finisse toujours pareil. D'accord? Vous ne voulez pas donner encore plus et que vous, vous ayez rien. Parce qu'à chaque fois, vous avez toujours trop donné. Vous voyez, vous, vous êtes là-haut. Là, dans votre main, c'est le cœur. C'est l'amour. C'est la générosité. Et là, vous êtes toujours là. Et l'autre est toujours là. Alors, peut-être que vous voulez vous garder espoir en disant, je voudrais tellement que la personne que je rencontre, ben, ça ne serait pas à ce niveau-là. Ça serait vraiment à ce niveau-là, un vrai équilibre, équitable. Je continue. 30 minutes. Vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie de nouveaux projets. On vient de me dire peut-être que les projets se feront concrets en fin 2021 et concrètement, je dis bien concrètement, une solidité de l'amour pour vous en 2023. D'accord? On me dit que là, ça fait un moment que vous êtes seul. Et on me dit que là, vous êtes en temps d'arrêt, en temps mort. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous ne savez pas si vous voulez être quelqu'un ou pas être avec quelqu'un. Vous ne voulez pas si votre ex revienne ou pas. Vous êtes en temps mort. Hein? Vous avez mis un stop aussi. Et on me dit aussi que vous voulez avoir des nouveaux projets. Vous voulez passer sur autre chose. Mais on me dit que parce que vous voulez tout ça, parce que tout simplement, vous avez marre aussi de la solitude. Vous voulez faire un stop sur votre solitude. Et qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Parce que votre solitude, vous n'en pouvez plus. Ça a été l'échec, votre solitude. Ça vous a mis peut-être en mode, je m'écroule, je descends. Vous ne voulez plus cet échec de solitude. Vous voulez quelqu'un. Sincèrement, vous savez, il y a un problème qui existe, un proverbe qui existe. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vous le redis quand même, en passant. On me dit que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de sensualité, vous avez besoin de sensualité, vous avez besoin de sexualité aussi. Hein, avec le bouquin qui est dessous, désolé. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez peur, tout simplement? Vous avez espoir, mais vous avez peur parce que vous étiez en échec depuis longtemps, parce que vous étiez seul depuis longtemps, parce que vous avez vécu une grande trahison. Au mois de novembre l'année dernière. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien. J'en sais rien. 9, 10, 11, 12. Novembre ou décembre l'année dernière. On me dit que là, maintenant, il va falloir oublier ce passé. Le passé, c'est on les met au grenier, mais on ne les met même plus au grenier. Hein, on vide les cartons du grenier, on met tout à la poubelle, ok? Parce que peut-être que vous avez été trop jalouse ou jaloux, les amis cancers. Parce que vous avez trop donné, donc comme vous ne receviez pas, vous posiez mille et une questions. On me dit que vous avez joué au chat à la souris, mais vous êtes toujours empris de cette personne. Parce que vous aviez eu un coup de foudre avec cette personne. Mais vous êtes vraiment sous l'emprise de cette personne. Eh bien, sortez-moi de là, hein. Sérieux. Vous attendez une réconciliation pour certains cancers. Après, c'est un tirage général. Vous attendez une réconciliation, mais soyez prudent ou prudente. C'est ce que je disais à ma tête. À ce soir. Vous voulez un engagement, il n'y aura pas d'engagement. La carte, c'était comme ça. Il n'y aura pas de nouvel engagement, il n'y aura pas d'engagement par rapport à cette réconciliation. C'est pour ça, restez prudent ou prudente, parce que de toute façon, il n'y aura pas de réconciliation. Si une réconciliation, elle sera que pour du charnel, ça n'ira pas plus loin. Et on va encore vous la remettre à l'envers. On va vous donner la permission. Waouh, enfin. Ah, pour certains ou certaines, ok. Pour certains ou certaines, on vous dit, allez, laisse-toi aller, vas-y, que pour du sexe, ben t'y vas. On te donne la permission de t'amuser à droite à gauche aussi. Hein. Peut-être que, voilà,
vous allez passer outre cette retrouvaille parce que vous n'en voulez pas, hein, malgré que vous avez attendu. Mais là, on me dit, amusez-vous. Amusez-vous, faites du charnel, on vous donne la permission de vous amuser. On vous donne la permission de vous amuser. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre couple, vous ou l'autre qui s'amuse. Vous êtes en triangulaire, d'accord? On me dit que quelqu'un porte un masque, quelqu'un va enlever ce masque. Peut-être que vous allez comprendre, vous êtes en triangulaire et ça va vous peiner aussi. Toutes les informations, je ne sais pas comment je fais. On me dit que vous faites beaucoup de films dans votre tête et vous êtes en plein égarement par rapport à votre couple actuellement pour certains. Ah, vous faites des illusions, vous êtes en plein égarement dans votre couple, vous avez tellement besoin de tendresse par rapport à votre couple. Peut-être que pour certains ou certaines cancers, il n'y a pas tout cela. C'est pour ça que vous êtes perdu. D'accord? Bon, elle tombe pas, je vais chercher hein, comme d'habitude. On me dit que vous attendez des belles promesses amoureuses parce que vous êtes vraiment attiré par cette personne. Vous allez reprendre votre pleine puissance. Ça serait une renaissance pour vous. Quelqu'un sera fidèle. Ah, ça, c'est la nouvelle personne, par contre. C'est pas la réconciliation, on est bien d'accord. La réconciliation, c'est que du cul pour du cul en étant cachin. Hein. Et puis, on vous demande de vous amuser. Parce que vous avez tellement besoin de tendresse. Mais on me dit que, carrément, il y a quand même des belles promesses qui vont arriver pour vous. Une attirance physique, une renaissance pour vous. Avec une fidélité et une permission amoureuse qu'on vous donne. Ça sera une personne que vous allez rencontrer par rapport à l'amour, mais qui est par rapport aussi à l'argent. Peut-être par rapport à votre travail, à tout ce qui est professionnel. Okay? On me dit qu'il y aura énormément de communication entre vous deux, énormément de partage. Et peut-être que vous allez énormément communiquer par rapport à vos séparations antérieures. Chacun de votre côté, vous allez expliquer votre passé. Et maintenant... vous allez tellement en discuter que vous allez dire, allez, on prend des risques ensemble ou pas? On se fait confiance ou pas? Je pense que les risques, mes amis cancer, après 44, c'est les anges, d'accord, vont vous accompagner à vous faire comprendre si vous devez prendre des risques ou attendre encore. Il y a quand même quelque chose de très, très beau qui arrive pour vous. Voilà, mes amis cancer. Écoutez, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Voilà, pour vous abonner, c'est sur la vidéo qui passe. Hein, vous avez juste à cliquer sur ma photo. Voilà, écoutez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye. Au revoir.